Wainwright. Wainwright qui temporise. Allez, cherche des bonnes lignes de passe. Une belle course. Bonzi Colson pour les deux premiers points du match. Hein, l'un des meilleurs marqueurs de... Allez, le dunk énorme pour Strasbourg. Ishmael Wainwright, bien servi dans l'espace. C'est manqué par Speedy Smith, quasiment à hauteur de la ligne de lancer franc. C'est remonté plus vite. Et oui, ces espaces dans la défense grâce à cette montée dynamique du ballon. Deux points de plus, Strasbourg. La technique de Jefferson qui fait le tour, suivi par Smith. Cherche les solutions, on est encore un petit peu loin. Limoges, là le panier réussi à trois points. J'allais dire qu'en défense, Limoges avait peut-être justement pour les hommes du Finlandais la Sitiovi. Lampe qui écarte bien Smith. Ça va passer peut-être. Ouais, la réponse pour Limoges. Et ça se décale, c'est bien fait. Temps de se retourner. Avec Jean-Baptiste Maille hein, qui a mis la vitesse. Et la conclusion de Jean-Baptiste Maille. Jefferson sur le côté gauche, la petite technique là pour passer le ballon entre les jambes. À la paire de balles par contre. Oh, c'est bien fait là pour se retourner, éliminer, peut-être créer le surnombre. Non, tenter à 3 points. C'est parfaitement fait par Philippe Scrub. Mais c'est une récupération quand même pour Limoges. Et là, l'espace. C'est le dunk énorme. Oh là 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 là. Énorme dunk de Caboclo. Strasbourg qui avait joué sur la vitesse de Colson pour remonter ce ballon. La belle passe là, là. Conclusion à une main. Magnifique. Conclue sur ce double pas. Ces petits lay-up là, toujours efficace pour venir conclure, s'appliquer. Pourquoi pas encore une fois cette conclusion pour la suite. Deux paniers quasiment identiques, coup sur coup. 5 secondes, il va falloir déclencher. Scrub qui se faufile à Vernizzi. À 3 points, c'est passé. Showtime. Alors, voilà, souvent quand on débute une carrière, on dit fils de l'illustre papa parce que, bah voilà, Chikambu, fils, a que 19 ans. Scrub. Et on voit Lampre à rentrer sur le bord du parquet. La petite passe, bien fait. Parfaite exécution permettant à Pommier. Vous avez donc une présence dans le Final 8. Ça va vite arriver. Il va falloir en plus respecter un protocole sanitaire, ce qui va empêcher de caler certains matchs. Scrub. Scrub qui décale Caboclo. Petite feinte, on s'engouffre. Et avec la faute... Eh non. Ah si, la faute obtenue. La faute obtenue. Strasbourg hein, qui a la possession. Les rouges et blancs voilà, qui déclenchent de loin. Oh, ce panier à 3 points pour la SIG. Il va falloir se presser. Lampe. Oh, le magnifique mouvement. La magnifique passe et la conclusion d'un Vernizzi. Et voilà, donc du coup, Strasbourg recolle à 35-35 derrière, en plus de cela, sur le buzzer. CSP à l'issue des deux premiers cartons. Voilà, l'efficacité qui pose souci pour les Limougeaux. Et pour le moment, le meilleur marqueur du match n'est pas une articulation qui est lâchée, qui est cédée. Mais il a pu se relever derrière le tir. Tenté par les Strasbourgeois. Et réussi. Amen. Allez, ça sort timidement. On décale le géant polonais. Oh, le contre énorme sur cette tentative de Lampe. Pour la faute aussi peut-être de Smith. Non. Manqué le rebond offensif. Oh, c'est manqué une fois de plus. Oh là 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 là, que c'est difficile là pour conclure. Pommier qui avait essuyé un échec. Et là par contre dans un second temps sur ce deuxième ballon. Là il y a la conclusion. Et Limoges justement avec Scrub en possession du ballon. Petite passe là vers Invernizzi. La remise. Fin de corps, parfait. Et le dunk derrière pour claquer deux superbes points grâce à Pommier. À une minute du terme, qui peut essayer d'accroître son avance. Allez, il a tout en ajusté. Et ça va passer. Ishmael Wainwright. Personne qui remet vers Colson. Allez, appui assez bas. Et là, cet angle qui s'est ouvert à 3 points pour les Strasbourgeois. Brandon Jefferson. Oublié, hein, sauf s'il marque le panier de la gagne aux derniers instants, les derniers instants à Lampe, hein, mais difficile soirée, alors qu'à l'inverse, voilà, la contre-attaque est DeAndre Lansdowne. Colson, ça ressort vers Brandon Jefferson à 3 points, c'est réussi, Brandon Jefferson, 3 nouveaux points, et là, le moment charnière de cette rencontre, il était présenté de cette manière, et ainsi, il y a quelques instants de cela, ça se confirme avec Wainwright, qui répond lui aussi à 3 points. Lampe, lui aussi, qui score à 2 points. Il fait les 100 pas là sur le bord du terrain. Il saute dans tous les sens. La Sitiovi. Invernizzi. C'est réussi à 3 points.
la recrudescence de fautes techniques. Ce sont des paroles qui peuvent peut-être être dites lorsque les... Ouh, ce panier à 3 points pour Strasbourg. Jefferson là qui peut-être porte les stockades. Les 50 dernières secondes, Strasbourg qui va éviter la sortie du ballon. Lansdowne, ça ressort. Il peut être décisif ce 3 points. Strasbourg qui scelle sa victoire. Il n'aime pas être négocié. Voilà le chrono qui va dérouler. On se tape déjà dans la main. Et il en est fini de cette rencontre. Succès de la SIC de Strasbourg.